Allez, c'est parti. 3, 2. Je t'ai pas demandé de compter avec moi. 1, ça y est, on atterrit. Mais pourquoi ils applaudissent tous comme des cons? C'est quoi ça? Ils ont jamais pris l'avion de leur vie ou quoi? Arrête d'applaudir, toi! Mais pas du tout, c'est juste parce qu'on vient d'atterrir. Attends, c'est ta mère que tu traites de con? Mais non, pas du tout, maman, j'ai dit con, c'est au masculin, t'es pas un homme. Ah, c'est mieux. Sinon, j'aurais dit conne. Ce qui n'est pas ton cas, hein, rassure-toi. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, vous restez assis, l'avion n'est pas encore à l'arrêt. Mais maman, reste assis, c'est pas fini, wesh. Ouais, c'est bon, j'ai juste sorti la valise. J'ai pas le droit ou quoi? Non, madame, vous n'avez pas le droit, vous restez à votre siège, s'il vous plaît. Merci. Votre ceinture. C'est bon, j'ai compris. Je te jure, j'en peux plus. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Non, mais si tu veux qu'on comprenne ce qu'il dit, commence déjà par te taire. Non, je te jure, j'en peux plus d'elle. Mais madame, vous en avez pas marre d'être sur mon dos H24? On dirait ma mère. Ta mère? Si t'avais une mère digne de ce nom, jamais tu te permettrais de répondre à un adulte. Qu'est-ce qu'elle vient? Répète. Non, silence, tu déconcentres l'avion. Eh, hey, regarde, regarde, mais qu'est-ce qui se passe encore là? Oh, c'est trop. Non, mais pourquoi ils se lèvent tous? S'il vous plaît, restez assis, hein. Non, mais je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. L'avion vient tout juste d'atterrir, qu'ils ont déjà sorti leur bagage, ils sont déjà prêts à partir. Non, mais c'est quoi ces comportements de merde? Restez assis, s'il vous plaît. Que vous avez rien oublié parce que votre oncle là, il nous attend dehors, donc va falloir courir pour la douane. Maman, j'ai une question, on te l'a jamais dit? De quoi? Que la drogue mélangée au thé à la menthe, c'était mauvais pour la santé. Non mais maman, sérieusement, genre quand tu me regardes, genre, est-ce que tu penses vraiment que j'ai le corps pour courir, hein? Alors non, t'as pas le corps pour courir, mais vu ta composition concernant ton triple menton et tes bourrelets qui dépassent sur ton corps, je pense que t'as le corps pour rouler. En gros, t'es grosse.